Non, elle est là, mais qu'est-ce qu'elle fout? C'est quoi ce psychopathe? C'est quoi ce psychopathe? Au secours, quoi! Je pense qu'on est chez nous. Je sais pas. Ah, je crois qu'on peut peut-être enlever le filtre VHS. Est-ce qu'on le laisse ou pas? Alors, attendez. Option, graphique, filtre VHS. Si on fait 100. Vous préférez avec le filtre VHS ou sans? C'est pas mal comme ça aussi, non? Oh putain, il y a un gratin. Oh, ça va me donner faim. Merci Mathéo pour ton follow sur Twitch, même dans la commu. Pour ceux qui savent pas, avec, sans. Coucou Mademoiselle Julie, ça va? Préfère sans? Je pense que sans c'est mieux, non? Ouais, c'est pas mal aussi avec le filtre, mais sans. C'est par le même studio qui a fait le jeu de la streameuse, vous savez, Parasocial. Il est sorti quelques mois avant. Si j'ai pas de bêtises, c'était quelques mois avant. Oh, par contre, la sensibilité, ils ont abusé la sensibilité de la souris. Hop. Appliquer. Résumé. Attendez, c'est encore un poil trop sensible. Hop. 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 Ok, c'est l'anniversaire le 23 octobre. Donc on est le 23 octobre, je pense, et c'est son anniversaire. Mais attendez, mais qui c'est qui a ça? Mais attendez, il est énorme ce parc pour enfants, c'est quoi ça? Avec mon centre d'attention, pour 4 heures, c'est possible. C'est quoi? C'est Lego de géant. C'est japonais. Hein. J'ai tellement envie de manger japonais. Salut à Mizuko, ça va? C'est le guide Zoui, ça roule. Oui, il est incroyable ce gâteau. 7, 1, je pense que c'est l'anniversaire. À mon avis, c'est un papa qui a un enfant qui a 7 ans. Zoui, que ce sens de la déduction. Alors, les dessins pour enfants, c'est tout le temps l'enfer. Donc, il y a la mère. Je pense qu'on... Ah non, c'est nous. À droite, c'est nous, notre femme. Et il y a l'enfant au milieu. Je pense que c'est ça. Et j'imagine, ça doit être l'heure de partir au boulot. Ça ressemble un peu à la maison dans Parasocial, non? Est-ce que c'est pas un peu trop foncé? Ah, bon, on est au max de luminosité, je peux pas faire grand-chose d'autre. Ok. C'est la même configuration de maison que dans Parasocial. Bon, le linchal... Oh mon dieu, vous avez vu le slip qui dépasse? C'est le slip, ça, non? Oh, il y a notre femme qui fait dodo. On dirait la part de la streameuse, tout à fait. Merci pour les gifts, les amis au TikTok. Apco, Mademoiselle Aigri, le je BG. Je sens que ça va encore être épique. Et là, c'est notre fille. Ok. Ok, il n'y a personne dans le placard. Je pense qu'il faut sortir pour aller au boulot. Non, elle est bien la qualité graphique comme ça. Là, ça tourne bien. Après, c'est savoir du mal à tourner. Mais je crois qu'elle est bien, là, la qualité. Hein. Je suis pas sûr de pouvoir mettre plus haut. Je vais regarder. Salut, News. Salut, tout le monde. Parce que j'adore ces jeux, mais faut reconnaître qu'ils sont souvent pas optimisés. Et du coup, ça fait ramer après soit Twitch, soit TikTok. Donc, je vais voir, mais je pourrais pas augmenter beaucoup plus, je pense. Le jeu, il est comme ça, hein, Yamizuko. Faut pas... Vous attendez pas, avec Chila's Art, vous attendez pas à un truc... Attendez, on va le mettre en height. Si je m'en virais... Je sais pas pourquoi il s'est mis en low, ouais. Celui d'avant, c'était pas un problème, parce que je connais le studio. Ah oui, c'est mieux, vous avez raison. C'est carrément mieux. Oh, le jeu, il est beau! Il est plus chaud que le jeu de la streameuse. Vous savez que le jeu de la streameuse, on l'a peut-être fait en low, hein. Bien vu, Yamizuko.
T'as raison, autant pour moi. Merci pour les gifts, les amis TikTok. Le jeu, il est carrément plus beau. Parce qu'on en a fait un la semaine dernière de Chilla's Art, et j'ai dû mettre au minimum. C'était l'enfer. Bon, je crois que c'est l'immeuble dans lequel on va devoir investiguer. Un petit coca pour bien démarrer la soirée. Oh, il y a du Sprite, il y a du Fanta. Mon dieu, on dirait du Rickless. Quelles sont les vieilles et les vieux qui ont connu le Rickless? Oui, on y a joué plusieurs fois, Pacify, on y jouera pour Halloween aussi. Vu que je serai en cosplay Annabelle, on fera un jeu avec des poupées. Pepsi pour vous? Moi, vous savez à quel point j'aime le citron, donc si c'est pas du coca, c'est soit du Sprite, soit du 7-Up, soit du Fanta citron. Important sur ce nombre de, cette sorte de jeu, les amis, j'ai besoin que vous fassiez attention avec moi au moindre détail. Des fois, il y a quelqu'un qui va être planqué, genre au rebord d'un mur. C'est hyper subtil à chaque fois, les trucs d'horreur. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu quelque chose, ou genre il y a quelqu'un qui est passé, ou genre quelqu'un qui nous regarde bizarrement au balcon. Ça arrive souvent dans ce genre de jeu. Salut Cindy, ça va? Coucou tout le monde. Rickless, ça existe toujours, Marie? Et je compte sur vous, les amis, vu qu'on a changé d'âme. Non, mais l'enfant, il était avec ma femme, c'est bon. Par contre, il y avait quelqu'un, mais c'est... Alors, le problème, c'est que... vous avez vu quelqu'un passer, on est d'accord. Okay. On va voir. Si ça se trouve, c'est normal. Non, mais ça se trouve, c'est normal qu'on soit pas tout seul. Alors, j'espère, parce que on a entendu, là. Il y a une personne suspecte avec une casquette en bas à droite. Ouais, merci, Adertu. What the fuck? C'est une anox, c'est tout le monde. Je pense qu'en Paris, ils vont nous dire, vous êtes censé être... C'est minuit comme par hasard. Vérifiez les alarmes d'incendie au fond des salles et verrouillez les portes. J'ai besoin de vous pour me souvenir, vous savez que je me souviens de rien. Éteindre les lumières dans la salle de bain. C'est bien, faut éteindre toutes les lumières. Donc, alarme d'incendie au fond des salles. Éteindre les lumières. Si des personnes sont encore présentes, renvoyez-les chez eux. Voilà, c'est cette dernière phrase que j'attendais. Si des personnes sont encore présentes, renvoyez-les chez eux. Donc, normalement, on n'est pas censé croiser des gens. J'ai perdu le contact avec Ego Oshigi, qui était auparavant agent de sécurité pour ce bâtiment. Il a probablement démissionné. Je vais compter sur vous à partir de maintenant. Cette compagnie a apparemment une règle interdisant toute heure supplémentaire au-delà de minuit. Vérifiez l'horloge, le moniteur de surveillance et les détails de sécurité avant de faire votre tournée. Meilleure salutation de la part du responsable Yamamoto. Vérifiez l'horloge, le moniteur de surveillance? Oh my god. On paraît qu'on va avoir des gens passer. Là, ça a l'air d'être très figé, mais... Les aiguilles de l'horloge pointent vers minuit. Ok. Bon, on va aller voir. Ils ont demandé de faire quoi, déjà? Let's go danser. Non. Vous vous souvenez, la semaine dernière, dimanche soir, le taré à moitié à poil qui dansait dans le café, qui était en mode comme ça, là? Je voudrais un café, s'il vous plaît. Un cappuccino. Il y a toujours des personnages complètement tarés dans ce jeu, quoi. La salle de surveillance est à droite. Je devrais vérifier mon travail. Quoi? Ah. Faut qu'on aille voir dans les... Eh ben, on dirait que quelques personnes sont encore là. Pour l'instant, je devrais faire le tour et verrouiller les portes, en commençant par le premier étage. Ok. Donc c'est normal, il y a encore des gens. Attendez, la sensibilité, ils ont genre pété un câble, quoi. Ils ont pété un câble. Genre, je respire, ça fait bouger le curseur. Donc premier étage
Premier étage, je pense, c'est rez-de-chaussée. Ils ont mal traduit, c'est de l'anglais. Moi, je sais comment c'est. Salut Solouv, vous savez que je suis à moitié américain. Coucou Elisa. Donc, premier étage, c'est first floor, c'est rez-de-chaussée chez nous en France. C'est bon, ils ont dit premier étage. C'est réabyssal, mais tant mieux, j'espère. Les jeux de Chillaz Art, ça va forcément commencer doucement. On va faire le premier étage, plus ça va aller, plus ça va être angoissant, les amis. Pour l'instant, tout va bien. Salut Maxi, comment ça va? Salut tout le monde. Les nouveaux arrivants. What the fuck? Le mec, il reste dans le noir face à un tableau blanc. Tout est normal. Genre, tout est normal, c'est ok. Y a pas de souci. Enfin... Monsieur, vous pouvez arrêter de faire peur. Oh, tu es le nouveau gardien de sécurité? C'est déjà l'heure? Bien tenté, Fouine. Merci pour les 100 bits. Je suppose que j'imposerai le reste à mes subordonnés demain. À bientôt. Oui, bah à bientôt. Oh, ça, c'est une démarche de PDG, ça. Putain, mais il y a plein de portes, j'avais pas vu. Les chiottes. Merde, je peux plus rallumer. Mais oui, c'était marqué qu'il fallait éteindre les lumières. Ok. On a fait au fond ou pas? On a commencé au fond. Je sais pas si on a fait ces portes-là, j'ai un doute. Oui, on a fait, je crois. Verrouillage des alarmes. Ouais. Après, je crois qu'il nous guide un peu. Ouais, c'est très musique d'ascenseur au début. Là, tout va bien. Tu sens que c'est la petite musique chill. Il y en a qui sont en train de jouer au foot avec une poubelle en aluminium ou je sais pas quoi. Ok, est-ce qu'il reste des gens dans les chiottes? Non, ça va. Ah, attendez, je rêve. Ah, on peut verrouiller avec eux. Ok. Quoi faire étage par étage, faut s'assurer qu'il n'y ait plus personne au rez-de-chaussée. Enfin, le premier étage plutôt. J'entends du bruit, mais je sais pas si c'est au rez-de-chaussée. J'ai l'impression que c'est là, non? J'ai l'impression que c'est là. Vous pensez que je dois éteindre les lumières? Salut Nico, ça va? On va éteindre les lumières, vous avez raison. Attendez, je crois que j'ai pas éteint les lumières, vous avez raison, faut les éteindre. Par contre, je vous le dis, on peut pas courir, donc s'il y a un psychopathe, ça c'est bon. Elle est où la lumière? Elle est là. Je trouve que c'est logique. Je veux dire, quand tu rentres dans une salle et qu'il fait noir, le truc logique, c'est de foutre l'interrupteur à l'autre bout. Comme ça, t'es obligé de te taper toute la pièce dans le noir et de te défoncer les jambes de partout. C'est hyper logique. Ouais, mais celle-là, je peux pas. Salut Jibril, ça va? Il y a que celle-là où je peux. Midi, j'ai pas encore fini de patrouiller. J'ai dû oublier un truc. Parce que je peux pas verrouiller cette porte encore. Pas d'anormalité. Je pense qu'on va checker tous les petits trucs rouges. Ouais, bah c'est ce que je check là, je pense que c'est ça. Ok, tout est ok. Point d'exclamation game, les amis, que ce soit sur Twitch ou TikTok, vous avez le nom. Je compte sur vous, les amis TikTok, pour pas hésiter à relaquer, repartager. Quand on change de jeu, ça bug toujours un petit peu TikTok. J'essaye de pas vous le relancer. Je pense que là, on a regardé toutes les alarmes. Parfait. Ça c'est fermé. Ok.
Pour moi, on est good. Ça, on peut pas verrouiller les chiottes, c'est normal. C'est que les... On a pas fait ça. C'est l'ascenseur, je pense que ça sera pour après. On peut déjà ? Verrouillons d'abord la pièce. Ok. Salut Jack Slayer. Il y a un problème quand même. Depuis tout à l'heure, j'entends. C'est comme si quelqu'un foutait un coup de pied dans la poubelle. Salut Charline, coucou les nouveaux arrivants. Vous allez pas me dire qu'on est tout seul là ? Que c'est là derrière. Je dirais que j'ai fait ça toute ma vie, mais tu sais que c'est, vous savez que c'est un métier qui me plaît rien, hein, les amis. Hein. Ça pointe vers minuit. Ok. Et là, au niveau des caméras, on dirait que quelques personnes sont encore là. Pour l'instant, je devrais faire le tour et verrouiller les portes en commençant par le premier étage. Pour moi, on l'a fini. On va aller check l'ascenseur. Je vais surtout te faire changer de... Il y en a beaucoup qui sont gardiens de nuit sur Twitch et sur TikTok, les amis. Quoi ? Ok, on a oublié de verrouiller un truc, les amis. On a oublié un truc. Pour moi, les chiottes, je peux pas les verrouiller. Hein. J'ai dû oublier une porte. Celle-là, on l'a faite. Si, j'ai vu Loïc. Coucou Loïc. Mais des fois, je peux pas répondre à tout. C'est pas parce que je réponds pas que je vois pas, les amis. Hein. Je vois ton message, tes messages, Loïc. T'inquiète. J'espère que t'as passé un bon week-end. Ok, c'est bon. Vous pensez qu'il y a combien d'étages ? C'est que t'es incendie de nuit, Mendes ?145. Moi j'aurais dit 172. Je pense que c'est un chiffre qui finit par 72. Il y en a 11. Oh, vous pensez qu'on va se faire les 11 étages? Il y a moyen. Let's go au second. 666. C'est ça, ouais. Impeccable aussi, Loïc, merci. Ça, Missou, ouais, tu dois te faire beaucoup de films par contre. Ouais, vu l'imagination que j'ai, je m'imagine toujours des scénarios de films d'horreur. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, j'aimerais bien faire ce boulot, mais je serais tout le temps en train de me dire c'est bon, il y a le mec d'Orange Mécanique qui est dans les couloirs, j'en sais rien. Attendez, si on procède logiquement, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va tout le temps aller... Par exemple, si c'est que des couloirs, on ira tout le temps tout au fond à gauche. On commencera par la première porte et on les fera une par une. C'est pas bête en vrai. Comme ça on est sûr de pas les oublier, vous voyez ce que je veux dire? Ok, tout est ok. Mais pourquoi les gens dans cet immeuble? Genre, à minuit, ils restent planqués devant leur armoire. Il y a un problème, elle fait quoi à minuit, elle? En train de regarder son armoire? C'est pas normal. Merci beaucoup, Fouine, pour les 110. Merci beaucoup, Fouine, pour tous tes gifts. Et merci à Eva Luna pour le follow sur Twitch. Bienvenue dans la commu. Madame, le PDG, il est parti, hein, vous pouvez partir. Qu'est-ce que c'est? Il y aura sûrement des choix, les amis, on va les faire ensemble comme d'hab. Oh, êtes-vous peut-être? Mon dieu. Alors, les cheveux, je connaissais pas cette couleur. Vous êtes cool, échangeons nos coordonnées. Quoi? Je ne peux pas partir si vous me donnez pas vos coordonnées. Messieurs, dames, dans quelques instants, salut, je suis fart. Spectacle de la souffrance. Il y a toujours des persos chelous dans ces jeux qui veulent te stalk, qui veulent avoir ton numéro de téléphone, qui ont l'air hyper guettante. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas votre numéro de téléphone. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. À la fin, celle-là, non mais c'est surtout une psychopathe, ça se trouve, c'est une tueuse, j'en sais rien. Hein. Je sais pas s'il y a des... Comment dire? Je sais pas si c'est un jeu où il y a des fantômes, ou s'il y a avoir un tueur, parce que dans les jeux de Chilla's Art, c'est souvent un tueur qui te stalk, ou si c'est les deux. Vous feriez... Je sens que ça va encore être épique. Vous feriez mieux de pas m'ignorer.
Au revoir. Oulala. Alors, premier perso bizarre. Parce que... faut savoir que comme dans tous les jeux de Chillaz Art, que ce soit celui avec le café ou parasocial, les amis, il va y avoir plusieurs fins. Il va y avoir des choix, il y aura plusieurs fins. En général, il y a trois fins. Une bonne, une moyenne et il y en a une mauvaise. Donc pour une fois, je crois qu'on a eu deux fois les fins mauvaises. On va essayer de choisir les bonnes personnes. Donc elle, on la retient. Merci 4-6 pour le follow sur Twitch. Bienvenue dans la commu. Je pense que, à mon avis, vous pouvez mettre quelqu'un en surveillance, les amis. Je sais pas si c'est pour rigoler ou... En vrai, dans ce genre de situation, je pense qu'il faut mieux être d'accord avec, avec eux et pas trop les vexer. J'ai pas checké l'alarme. Attendez, j'ai peut-être pas checké l'alarme. Je sais pas s'il y a un meute dans le coin qui est pour garder notre nouveau venu qui vient de je sais pas où. De quel secte, là. Juste l'inviter à y retourner. Pas d'anormalité. Ok, on a fait tout ce côté là. Attendez, on va repartir de ce côté. Ça, à chaque fois qu'il y a ça, on peut pas passer. Le problème c'est que c'est quoi? C'est les zones en travaux, ça. Le gros souci, c'est qu'on est censé se faire tout l'immeuble. Coucou les nouveaux arrivants. Ouais, c'est ça Maeva, on est un agent de sécurité, un gardien de nuit, on doit inspecter tout l'immeuble. Et on doit monter d'étage en étage, forcément. Puis on va monter en étage, puis il y aura des trucs chelous. Le problème c'est qu'il y a une partie de cet immeuble qui est en construction et on peut pas accéder. Donc ça se trouve il y a des bruits de l'enfer et on sait pas ce qu'il y a derrière ces portes. On peut les verrouiller celle-là maintenant? Ouais on peut. Ok. Il restera les portes de gauche. Non non, laissez les amis, hein. C'était peut-être quelqu'un qui... c'était juste pour rigoler, on sait pas mais... Ne vous inquiétez pas, les modos sont là pour ça. Peut-être qu'ils font des travaux à minuit. En vrai, ça existe les travaux de nuit, non? Vous sentez qu'à un moment donné, il y a les chiottes qui vont s'ouvrir, on va se prendre un jumpscare dans la tête. Vous le sentez? On a 11 étages. On a 11 étages avec les chiottes qui sont bien fermées. Ah, tu parles Jap, Yamizuko? Trop bien. Je pense qu'on va être amis, hein, Yamizuko. Enfin, on l'est déjà, mais... Quoi? Qui? Qu'est-ce que tu veux? Oh, l'agent de sécurité? Pourriez-vous laisser les lumières allumées? Je les éteindrai. Il y a quelqu'un, apparemment, ça s'est pas bien passé, son repas du soir. On peut pas voir dessous? On peut pas voir ses pieds? Attendez, est-ce qu'on... Vous pensez qu'on peut éteindre la lumière? Putain, c'est dommage, on veut pas l'éteindre. J'aurais trop aimé l'éteindre pour voir ce qui se passe. Si, panique ou pas. Trop de chili à la cantine, il était vachement épicé. Hein. Pareil que celui de midi, il était envoyé. Hein. Je sais pas si c'est assez clair, Yamizuko, pour toi. Là. Te prends pas la tête à tout traduire, hein, Yamir, mais juste dans l'ordre de l'idée globale. J'ai l'impression que c'est une partie du bâtiment qui est en construction, parce qu'il y avait pareil au premier étage. Les portes résonnent beaucoup. En même temps, il n'y a personne et des longs couloirs où il n'y a plus personne, donc forcément. Après, on dirait qu'il a envie de faire pipi. Christian, vous savez, comme les enfants, ils se tiennent comme ça en mode « Maman, j'ai envie de faire pipi. » Et je dis pas ça parce que j'ai un peu envie de faire pipi. Hein. Cet escalier est actuellement en construction. Voilà, je vous l'avais dit. Donc c'est une zone où ils ont tout verrouillé. Merci beaucoup, Yamizuko. Trop sympa. Ok, on a fini cet étage. C'est l'heure du rugby. Bonne soirée Jenny, merci beaucoup d'arrêter là. Bon match. Travail de nuit c'est horrible, c'est vrai Lina, moi ça me plairait beaucoup. Merci beaucoup pour l'heure Jenny, trop sympa.
Merci beaucoup pour votre utilisation continue. Je vais utiliser cet escalier parce qu'il est en construction. Vous pouvez l'utiliser. Je suis vraiment désolé, mais je vous remercie de votre compréhension et de votre coopération. Merci beaucoup, Yamizuko. Ok, bon, l'escalier qui est en cours de construction, en gros... Pourquoi avez-vous éteint les lumières? Je vous ai demandé de les laisser. Salut, Luki. What the fuck, on a changé d'étage? Et ça a éteint les lumières. What the fuck? C'est celui du deuxième? Bonjour, Cléo. Bonjour. B-O-N-J-O-U-R. Point d'exclamation, Yem, Cléo. Dis rien. On a des traducteurs ce soir, c'est trop bien. Manque plus de quelqu'un qui gérait l'accent anglais. Don't worry, I'm here for you. I can speak American, so don't worry. Bon, premier truc chelou, il y a un mec qui se téléporte d'étage en étage. Salut Laurine. Qui est sur les chiottes. En plus, la lumière, elle a bugué quand il a parlé. Putain, on voit rien. C'est le fantôme des toilettes, ouais. Il faudrait mieux de les avoir terminés d'ici demain. Qu'est-ce que vous regardez? Hey, vous m'écoutez? C'était pas les chiottes, c'était quoi? C'est Licornette, ça va? Pareil, toujours un plaisir de vous retrouver aussi. Je me demande si c'était pas le patron qui gueulait à la porte des chiottes de l'autre qui est enfermé dedans. J'ai vérifié l'alarme ou pas ici? Je l'ai vérifié, hein. Ok, je crois qu'on peut verrouiller maintenant. Bah écoutez, apparemment on peut fermer. J'ai pas trouvé où était la lumière. C'est pas grave, c'est pas moi qui paye la facture. C'est pas Versailles ici, hein. Oh mon dieu. Tu m'as fait peur, Laurine. Merci pour les gifts, tes amis TikTok. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah bah c'est pas chez moi qu'il y aura du Call of Duty, Joanne, effectivement. En crêpe. Il y avait un film d'horreur comme ça, je vous en ai déjà parlé, qui me traumatisait quand j'étais petit, ça s'appelait L'Ascenseur, et en fait ça coupait les gens en deux. Genre ça décapitait les gens et tout. J'ai trop peur qu'à un moment donné... C'est qui c'est? Et c'est pas la Folle Furieuse de tout à l'heure?
C'est qui? C'est une autre ou pas? J'arrive pas à voir. Ce serait pas la folle furieuse de tout à l'heure qui voulait nous forcer à prendre le numéro de téléphone? Mais surtout, c'est qui elle? C'est une autre, Fred? C'est une autre? J'arrive pas à voir, à reconnaître. C'est pas bon signe du tout. Quand on est dans un jeu d'horreur, c'est pas bon signe du tout, ça. C'est que le vent m'emporte, salut nouveaux arrivants. En Paris, les lampes fluorescentes clignotent. Il faut les remplacer. En Paris, il est encore là, lui. Non, c'est bon, finalement, il s'est juste téléporté dans les deux premiers étages. On dirait un fantôme à la The Grudge ou je sais pas quoi. Vous l'avez vu? Vous avez vu ou pas? Elle était là avec son œil rouge. Non mais jamais je vais changer la lampe. Moi c'est mort. Hein. Madame, vous pouvez changer la lampe pour moi? Attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va tricher. On va passer par les portes intérieures. On va passer de l'autre côté. Oh merde, faut qu'on change le néon ici. Obtenu une ampoule fluorescente. Après, peut-être que c'est juste quelqu'un qui se sent pas bien. Elle est peut-être gentille, hein. Madame, vous vous sentez bien? Madame. La chair de poule, j'ai encore le poil qui se hérisse. Attendez, on change l'ampoule. Alors, ceux qui bossent en tant que gardien de nuit, c'est... Oh, il m'a fait peur, ce con! Je l'avais pas vu qu'il était là. Si vous voyez une lumière clignoter... C'est encore toi. Mon patron me demande de terminer ce travail pour demain matin. Il n'y a aucune chance que je finisse tout ceci. Je n'ai jamais cru qu'il serait aussi difficile d'être un adulte qui travaille. Ils m'ont même dit de quitter le boulot tout à l'heure. Ils doivent se moquer de moi. Tu es le seul à savoir que je fais des heures supplémentaires et que je travaille dur tous les jours. Te voir me met de bonne humeur parce que ça veut dire que je peux rentrer à la maison. Alors, je crois que je vais rentrer chez moi. À demain. C'est quoi ça? Oh, j'ai la tête qui tourne. C'est quoi ce mouvement de... J'aime bien qu'il soit fait mal au cervical, mais toujours plus, quoi. Ok, pas d'anormalité. À part la tête de l'autre fou furieux. C'était quoi, une souris? Salut Rocco, j'ai entendu le bruit mais j'ai rien vu. Ah merde, c'est ça, regardez, ça s'est explosé. Ah,
que j'ai pas changé la rubrique. Attendez, je crois que j'ai pas ça a pas changé la rubrique sur Twitch. Attendez, je vérifie un truc, j'ai l'impression que sur Twitch, vous êtes toujours sur le jeu d'avant. Non, c'est bon. C'est bon. Enfin, de mon côté, c'est bon. C'est la lampe. C'est la lampe qui a explosé comme par hasard. Elle clignotait à côté de la fille de The Grudge. Hein. Merci, Gouya, pour 8e mois. 8 mois déjà, Gouya. Merci beaucoup. Tu vas bientôt avoir un fantôme vampire. Et merci, Maureen, pour les 10 bits. Merci beaucoup. Et là, c'est toujours fermé. Bon, bah, on va verrouiller, hein. Merci, bon courage, Azura. Merci pour le lurk. J'ai l'impression qu'on s'en fout, on doit pas la rechanger. Elle est plus là. Je me demande si on va avoir affaire à un tueur ou un fantôme. Vu qu'ils nous ont montré elle, clairement elle était pas vivante. C'est lui Enzo, ça va? Merci Gouya, merci beaucoup, merci à toi. Et elle se remet en route? Non. T'es bien placé, Julie Jumpscare. Pourquoi faut regarder le mur? Faut regarder le mur? Pourquoi? Non. Non, non, moi je veux voir le danger arriver de face. C'est comme dans Mortuary Assistant, j'aime bien avoir toutes les portes ouvertes. 5e étage. Moi aussi j'adore Maya, les jeux comme ça. Au plus ça va, ça monte crescendo, c'est tranquille au début, il y a de plus en plus de trucs inquiétants. Merde! Non, attendez, je suis pas sorti, monsieur! Et attendez, je peux pas ressortir. Ah. Monsieur à l'ascenseur. Il fait un peu sombre sur cet étage. C'est de plus en plus sombre, maman, ouais, bien vu. Allons voir la salle électrique. What the fuck, non, on voit rien. J'ai l'impression qu'on est en enfer. Salut Maxi, coucou les nouveaux arrivants. Je sens que ça va encore être épique. Le fusible est manquant. Ça faisait longtemps, je trouve, dans un jeu d'horreur qui manquait pas un fusible. Allumons d'abord les lumières. Il y a un petit truc qui m'inquiète, les amis. Ouais, c'est ça que j'aime bien, Demoiselle Julie. C'est pas des jumpscares toutes les deux secondes, c'est que c'est de plus en plus flippant et angoissant. Merci Julie pour les gifts. On est d'accord que c'est des écrans de caméra, non? On dirait pas des écrans de caméra derrière? Je me demande si à un moment donné, on va pas voir les écrans de caméra et on va voir quelqu'un passer. Salut Manon, ça va? Il est sur PC, Enzo, uniquement. J'ai l'impression qu'on va être obligé. Merci Thelma pour le follow sur Twitch, bienvenue dans la commu. On est d'accord qu'on voyait pas. On est d'accord qu'on voyait pas jusqu'au bout, il y avait pas la porte rouge. Vous vous souvenez ou pas quand on est rentré? On est rentré ici, j'ai regardé à gauche, c'était noir complet. Et on est venu ici. Oh mon dieu, on dirait la porte d'Insidious Camillas. Oh non, il m'a terrorisé ce film. Insidious avec The Conjuring, c'est l'un des plus flippants. Le premier Insidious, il est ultra flippant. Un jour, je ferai... Ah putain, les amis, rappelez-moi, un jour, on fera le cosplay du démon de Insidious parce qu'il me terrorise et je pense que ça va soigner ma phobie. J'adore Thelma Insidious. Ok, là, tout est normal, pour une fois. Dans quelques instants, le grand spectacle de la souffrance. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette porte? Elle est en bois. Elle est en bois, on dirait qu'il y a des... C'est du sang? Non, elle est écorchée. Genre, on est dans un immeuble moderne. Elle est en bois, la porte, on est d'accord? J'ai un petit doute, vu la serrure.
Non, c'est pas la moquette, c'est vraiment du sang. Hein. What the fuck? Bienvenue dans les backrooms, ouais. Merci Fouine pour les 100 bits. J'ai vu dans l'écran, mais je les ai augmentés un peu. Sur Twitch, je vous les ai mis moins fort que sur TikTok, parce qu'en général, sur Twitch, je vous les préfère un peu moins fort, mais je les mettrai un petit peu plus fort. Merci, frère. Là, c'est pareil, on m'en envoie un sur TikTok et ça va. C'est vraiment à bien timer, c'est pas évident. Je sens que ça va encore être épique. Par contre, c'est un imbirate. Oh, j'aurais dû faire la technique. Putain, j'aurais dû faire la technique comme sur Confabulation. On aurait dû toujours tourner à gauche. J'ai déconné. Parce que... Connerie de gauche et droite, ça veut rien dire, c'est machin. Selon comment on est tourné, ça change. Coucou Faye, ça va? Coucou les nouveaux arrivants. On dirait les placards de Silent Hill. Ah, c'est des escaliers en travaux? Putain, c'est pas bête, maman. Après, ils sont de l'autre côté. Mais en vrai, c'est possible. Le fusible. Santé, Vinef. Bien hanté, Vanessa, comment ça va? Merci pour les gifs, les amis TikTok. Attendez, faut qu'on retrouve le chemin arrière maintenant. Bonne nuit, Magicats, bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Merci d'arrêter là, et coucou aux arrivants. Ici, on récolte la moitié du sel français. Bah, c'est peut-être lié, maman, bon, c'est pas bête. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une partie du bâtiment un peu chelou qu'on peut pas visiter, donc... Vanille, j'ai jamais fait Yamizuko. N'hésitez pas, ceux qui veulent me conseiller des jeux, les amis, vous avez un canal qui s'appelle Boîte à idées tout en bas. C'est sur Discord. Tout en bas du Discord, point d'exclamation Discord. N'hésitez pas. On n'a jamais trop de jeux d'horreur. Et franchement, pour une fois, je m'en suis bien sorti. On n'est pas d'accord? Avec plaisir, Yami. Par contre, là, c'était verrouillé. Quelle horreur! Quelle horreur! Mais je suis sur Twitch en parallèle à Doudou. En fait, il y avait le bruit, je me suis dit, mais attendez, il y a le bruit de l'eau, c'est pas normal, on est sorti de l'eau. On est sorti de l'eau, c'est pas normal d'avoir des bruits de pas. Je pensais que c'était les miens. Quand je me suis arrêté, j'ai entendu s'accélérer, c'était l'enfer. Merci pour les bits, pour les gifts, les amis TikTok. Non, non, c'est pas un bug de son, Nemesis, c'est qu'il y avait quelqu'un qui marchait derrière nous. Hein. Mais qu'elle est conne, mais casse-toi, putain, t'as rien à foutre ici, regardez-moi le rigole. Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? J'ai horreur de ça, j'ai horreur d'avoir quelqu'un derrière moi quand je me retourne, j'ai horreur, c'est horrible. C'est horrible, ils l'ont fait exprès en plus, elle est rouge, elle est en sang, je sais pas quoi. En rouge sang, là. Te voilà. Oh mon dieu, vous savez qui c'est? Non, c'est pas celle des toilettes. Vous la reconnaissez ou pas? Vous savez qui c'est ou pas? On va voir s'il y en a qui l'ont reconnue. Pour l'instant, j'ai pas vu de bonne réponse entre Twitch et TikTok. T'as dérapé sur ta copie, Azuma? Non.
Non, pas la fille du début. Exactement, c'est Maeva et Lunacia qui l'ont sorti en même temps. Celle de la... Non, c'est celle de la photocopie. Elle avait un col comme ça, un col blanc avec un truc. Je suis sûr que c'est celle de l'imprimante. Trop chelou. Des lumières ne sont pas encore allumées. Alors, peux-tu activer 4 des disjoncteurs ? Moi ? Je pars. Bonne chance avec ton travail. Ou alors elle. Ou alors elle, les amis. On lui fait pas confiance, je vous le dis tout de suite. On, jamais de la vie, on lui fait confiance. Ouais, évitez les amis, j'en ai eu plusieurs passés. Je sais que c'est pas... C'est juste pour... Merci Moumoun pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. Recamé là. Attendez, elle m'a dit d'ouvrir le quoi, les 4 trucs, les 4 quoi, elle a dit ? Non mais la psychopathe, mais surtout elle avait photocopié sa gueule dans l'imprimante tout à l'heure. Allumons d'abord les lumières, j'arrive pas à allumer les lumières. Elle a dit les 4 quoi, les amis, les 4 disjoncteurs ? Mais ils sont où les disjoncteurs ? Ça je peux pas. Là c'est les fusibles. Ah non, c'est les trucs de sécurité. Oh mon dieu, c'est là, je pense. C'est là où il y a une lumière qui a pété tout à l'heure, non? Je pense qu'on est à l'étage où il y a les, où il y a toutes les infrastructures électriques. Fusible, c'est bon, viens le mettre, c'est là, regardez. Oh, il y a un bonbon. Ok, on finit cet étage, on fera le bonbon de Morgane. La vache. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu que vous aviez vu aussi pour le bonbon surprise. Je sens qu'il va se passer un truc, on va activer le quatrième, je vous le dis. Attendez-vous. Il y a quelqu'un qui va nous foncer dessus, on va revoir la bonne femme habillée en rouge. Il n'en reste plus qu'un. Salut Honora Sama, comment ça va? Coucou les nouveaux arrivants. Il est là, je le vois. Oh là, c'est de m'envoyer un jumpscare sur TikTok. Bien tenté, Julie, c'était pas loin. Tu pensais que j'allais l'activer tout de suite? Je prends mon temps pour celui-là parce que je sens qu'il va se passer un truc. La personne de tout à l'heure a dû partir. Oui. Je le confirmerai dans la salle de surveillance de cet étage. Oui, bien sûr. J'ai peur qu'elles soient encore derrière moi. On fera le bonbon surprise entre les deux étages. Je sens que ça va encore être épique. Oh putain, on peut check les caméras de tous les étages. Premier étage. Deuxième étage. Ça rappelle le First of Atom avec la caméra. Je le fais des fois, le moonwalk, Mlle Julie. Pour pas avoir peur. En vrai, ton petit ami agent de sécurité, n'est-ce pas? Ah ouais? Il est plutôt beau, alors je l'ai fait mien. Quoi? Il ne sortait pas avec elle avant? Ouais, tout le monde sait. Enfin, sauf le harceleur. Tu l'as donc pris de force, c'est une très mauvaise manière de le dire. En fait, je l'ai convaincu avec mon corps. Mais elle est folle ou quoi? C'est celle qui voulait qu'on donne son numéro. De toute façon, elle n'était pas à la hauteur. Je suis plus charmante, donc c'était inévitable, n'est-ce pas? Tu es une vraie diablesse.
Les femmes sont plus populaires parce qu'elles sont un peu diaboliques. Non, relève-toi! Oh mon dieu, elle l'a pas attendu! Oh la garce, elle l'a pas attendu! Elle en a rien à foutre! On aurait dit moi quand je joue à vendredi 13. C'est quoi? Elle a explosé, il y a eu le sang contre la vitre. Oh merde! Les amis, ça a pété la caméra du 3ème et du 6ème, on peut plus. On peut plus voir les caméras du 3ème et du 6ème. Il y a un truc, attendez, c'est quoi dans la caméra du 5ème? C'est quoi ça? C'est moi ou il y a quelqu'un devant la caméra là? On dirait pas qu'il y a quelqu'un devant? Pourquoi ils courent? Bah, il y avait quelqu'un derrière eux, apparemment, Hachik. Elle est derrière moi? Non, 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 c'est la mort. Faut aller voir. Je pense qu'on va devoir aller au 5ème. Il a... On dirait pas qu'il y a quelqu'un. Regardez, il y a sa tête, là, non? C'est quoi? Regarde ça, on va faire le bonbon après parce que je sens qu'après ça va être l'enfer, je vais m'étouffer avec le bonbon. Nous avons de la chance. Bon, grâce à quelqu'un, nous pouvons tous partir plus tôt. Et elle assume la responsabilité pour tout. Mais que se passe-t-il s'il démissionne? Ce serait gênant. Si elle le fait, je pourrais finir par lui en vouloir. Tu as raison. Je sais pas ce qu'il va nous faire comprendre par ces vidéos là. Ok, on va faire le bonbon du destin les amis. Avant d'aller vérifier parce que je sens que ça va chier au 5ème. Donc c'était la bonne femme qui avait les yeux rouges tout à l'heure. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Salut Natacha. Allez, le bonbon de Morgan les amis. Comme d'hab, c'est la main du destin. C'est au hasard. Oh mon dieu, il est trop bizarre. Mais attendez, ça existe pas. J'ai une couleur qui existe pas. Oh, regardez la forme, il y a un problème. Regardez, il y a des... Il est bizarre ce bonbon. Normalement, il est rond. Regardez, il y a des antennes. Et il est... Il est recouvert de bleu, mais il est rouge à l'intérieur. Mais attendez, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un bonbon comme ça, ça existe pas. Regardez, il est rouge et bleu à l'extérieur. Ça existe pas dans les couleurs. J'ai aucune idée de ce que c'est. Je vous montre aussi sur TikTok. Ils vont voter sur Twitch, il est bon ou mauvais. Je vous lirai les amis TikTok pour les aider. Ah, son rapport avec le dernier gardien qui a démissionné, Léo, c'est pas bête. Il est pourri. Est-ce qu'on peut faire la prédiction? Est-ce qu'il y a un modo pour la prédiction? Sinon, je la fais. Tu veux faire la prédiction, Hector? Le reste de plusieurs parfums. Franchement, on dirait ça, Hector. Hector ou n'importe qui, hein, ou résident, je crois qu'il y a résident dans le coin. Ah, merci les amis. Vous pouvez voter sur Twitch, n'hésitez pas à me dire sur TikTok si vous pensez qu'il va être bon ou mauvais. Comme ça, je vais, vu qu'ils peuvent voter sur Twitch, je vais dire pour vous ce que vous en pensez. Regardez, je vous le remonte sur TikTok, sur Twitch. Sur Twitch, pour l'instant, c'est 6000 à 6000, c'est égalité entre bon et mauvais. Karma, il dit bon, Nili, elle dit bon, Kamias, bon, Maeva, bon, Sandra, mauvais. Putain, vous êtes un paquet sur TikTok à penser qu'il va être bon. Tsera, mauvais, Stacy, dentifrice, Fred, mauvais, Hans, bon. Bah oui, ça fait tête de chat, Coco, mais je le sens pas parce qu'il est, il a deux couleurs, c'est pas normal. Il est, c'est, imaginez, c'est du vomi mélangé à œuf pourri. Tu votes bon parce qu'il faut pas tuer aux apparences? Ouais, je suis d'accord, ça se trouve, il est très bon. Hein. Ça se trouve, c'est pomme et, je sais pas, et grenadine. Hein. Mais à mon avis, c'est vomi. À mon avis, à l'intérieur, c'est vomi. Je sens que c'est vomi à l'intérieur. Ophélie dit mauvais. Coucou Moonchat, ça va, il est périmé, arrête. Léana, mauvais. Kevin à l'alcool, ce serait bien. Hein. Jika, bon. Zazu, un insecte. Ah non, arrêtez, vous pensez? Non, non, non. Il vous reste une minute pour la prédiction sur Twitch. Et après, on continue le jeu. On est à 30 000 points sur mauvais.
28 000 points sur mauvais, 24 000 sur bon. C'est, en vrai, c'est serré. Hein. Vous avez, en plus, il y a beaucoup de participation, enfin, beaucoup de votes. Beaucoup de points de jeu mis en jeu. Donc, je pense que vous allez gagner beaucoup, les amis, si vous avez le bon choix. Parce que là, il y a 25 000 à 31 000. C'est beaucoup. Hein. Ça va faire énormément de points de chaîne à partager. Ni bon, ni mauvais. Putain, j'avoue, si ça se trouve, sur Amazon. Moi, je les ai commandés sur Amazon, dans les amis. Instants, le grand spectacle les Jelly Belly. Je vous montre le paquet. Ça ressemble à ça. Enfin, c'est les bonbons Harry Potter. Les trucs de Betty Bot ou je sais pas quoi, là. Indienne, mauvais pour toi. Et coucou les nouveaux arrivants. Ça va, Tom Du? Je vous le remonte une dernière fois. Je mets dans la bouche après. Le bonbon. Hein. 42 pour sur bon, 37 sur mauvais. J'ai jamais vu ça. T'as vu un calendrier de l'avant avec ça dedans, Canel? Il vous reste 10 secondes pour voter. L'extérieur est pas mauvais. Mais c'est quand je vais croquer. Putain, décidément, je sais pas si c'est bon ou mauvais. Encore comme t'as... Je sais pas si c'est bon ou mauvais. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, si c'est bon ou mauvais. Il y avait à combien... C'est qui avait plus de votes? C'était le bon ou mauvais? C'était le bon ou mauvais? Qui c'est qui avait plus? C'est bon qu'il y avait plus de points? Eh ben, il y en a qui vont gagner beaucoup de points. Laura, la raison, c'est savon. C'est savon. Donc c'est mauvais. C'est un goût mauvais, les amis. En vrai, c'est pas si mauvais. Ouais, bah il est pas si mauvais, mais malheureusement c'est savon, donc c'est le parfum pas bon. GG à ceux qui ont voté deux. Putain, j'en ai une farclou dans les dents, c'est l'enfer. Ah mais c'est le cinquième où on est. C'est le cinquième où on est. C'est dans cet étage-là où il y a la forme toute noire, toute bizarre. N'hésitez pas à dire dans le chat combien vous avez gagné. Bah si, Canel, mais il y avait un truc bleu et dedans c'était peut-être du vert, je sais pas, j'ai l'impression que c'était du rouge, mais c'était vraiment savon. Après, je pense qu'ils mettent du colorant, donc ils ont dû se planter de colorant, je sais pas, celui-là il était fait un peu bizarrement. Mais ça avait vraiment le goût du savon, mais c'est pas mauvais le savon, donc... Et comme les crottes de nez, ça passe plutôt bien. Coucou Céline, coucou les nouveaux arrivants. Je compte sur vous les amis TikTok, faut pas hésiter à liker, partager, parce que TikTok il galère quand je change de jeu. Ça, attendez, ça a avancé ou pas? La caméra elle est où? Il y a des sons qui... Elle était là la caméra. Mais la caméra elle donnait... Ah oh, putain la vache. Merci Vanessa pour les gifts. La caméra, la forme, elle était par là, elle était pas au fond, hein, la forme noire. Hein. D'accord, Lunacia, j'ai eu l'impression que ça avançait les pas. En fait, c'était à cet étage qu'il y avait la porte rouge ou pas? Attendez, je deviens fou. C'est là qu'il y avait la porte rouge ou pas? C'était à l'étage d'avant? C'était là? Donc, vous vous souvenez quand j'ai entendu quelqu'un courir derrière moi avec les bruits de pas? Vous vous souvenez quand on a entendu quelqu'un courir avec les bruits de pas? Bah c'était elle, elle courait dans le sang. Elle était juste derrière nous en fait. Je crois qu'il faut qu'on l'éteigne cette lumière. C'était fermé ou pas ça? Pourquoi on n'a pas éteint les lumières avant ici? Je vous avais dit que tout allait bien. Merde, on n'a pas fini de patrouiller. Je crois qu'il y a une alarme qu'on n'a pas vérifiée par ici.
monte complètement à contre-cœur, grave. Ok, pour moi, il n'y a que cette porte, hein. Je crois que c'est la seule alarme qu'on avait loupée. La lumière, c'est normal, on a remis le courant. Bon, on signera quand même qu'il y a une folle furieuse qui se trimballe avec les pieds en sang. Oh, merci Fouine pour le gift. Merci beaucoup, Fouine. Merci énormément. On était au quoi? Au cinquième? On arrive vers la moitié de l'immeuble. Je sais pas si... Vous pensez qu'on va faire tous les étages ou pas? Je suis pas sûr. Je pense qu'il va... Ça va, Tonio? Je pense qu'il va arriver en haut. Avec tout ce qu'il a vu, il va se jeter dans le vide, à mon avis, du 11e. Pardon, je voulais pas vous déranger, madame. Mais finissez donc. Finissez donc, madame. Finissez donc, je voudrais pas vous déranger, surtout. Je voudrais pas vous déranger. Je crois qu'on peut pas se barrer. J'essaie de me partir ailleurs, mais on peut pas, on est obligé d'y aller. Merci Dim pour les 10 bits, merci beaucoup. Mais en plus elle bloque, hein. Bien tenté, Fouine. Non, mais c'est surtout qu'elle frotte pas. Si encore, elle frottait. Mais elle ne frotte même pas. Donc, madame, je sais pas si vous l'avez tuée ou si vous voulez faire le ménage, mais faut vous décider. Conneries de gauche et droite, ça veut rien dire, ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Elle dort? Elle dort? Qu'est-ce que... Ah putain. Merci Fouine, tu vas réussir à... Tu vas réussir à me faire prendre une crise cardiaque avec tous les jumpscares. Je peux pas lui parler. Mais attendez, je peux pas lui parler. De fou. Qu'est-ce qui se passe à cet étage? Pas d'anormalité. On adore quand la musique s'arrête d'un coup dans les jeux d'horreur. C'est pas du tout louche. On va éteindre cette musique de l'enfer. On parie qu'elle est plus là. Salut Biaillon, ça va? On parie qu'elle est partie? Non, elle est là, mais qu'est-ce qu'elle fout? Ah! C'est quoi ce psychopathe? C'est quoi ce psychopathe? Au secours, quoi!
Je peux pas lui parler, je peux pas lui parler. On l'ignore, on fait comme si elle était pas là. Putain, elle me suit du regard, elle me suit de la tête. Est-ce que vous pensez que je peux lui faire faire... Je vais me faire karma, c'est sûr. Hein. Je vais me faire karma, me foutre de sa gueule. Vous pensez que je peux lui faire faire un 360 avec la tête? Ah, j'ai coupé la musique, c'est peut-être pour ça! Shaina, salut Lilou. Merci Julie pour le gift. On remet la musique pour voir ce qu'elle fait? Attends, on va lui remettre la musique. Je pense qu'il y a moyen que ça soit à cause de la musique, hein, en vrai. Hein. Vite fait, ouais, un peu Poppy Playtime, je vois ce que tu veux dire. Salut Léa, coucou les nouveaux arrivants. Non, on a rien à foutre. Attendez, on va l'enlever parce que moi, elle m'angoisse, cette musique, je la sens pas. C'est pas normal d'avoir une musique comme ça avec des taches de sang dans tout le couloir. Je lui fais pas confiance. Comme par hasard, c'est la porte où il y a l'escalier qui est en travaux. Salut Lucky Luke, comment ça va? Ouais, ça arrive, il est... Ah bah ça arrive, ouais, faut mieux éviter de relancer l'appli, en général ça corrige. On a tout fait à cet étage. On se barre, on n'a pas eu la petite sonnerie, comme quoi on a tout... J'ai l'impression qu'on n'a pas tout vérifié à cet étage. Salut Erwan. J'ai l'impression qu'on n'a pas tout fini, ça nous a pas fait le ding-ding, non? La lumière de la pièce? Ah, attendez, faut qu'on verrouille. Je crois qu'elle était plus là. Impeccable, moi, le week-end, merci. Après, c'était l'étage 6, hein, 6, 666, etc. Mais à mon avis, plus ça va aller, plus ça va être pire les étages. Hein. Pas pour l'instant, Loïc, j'en avais déjà parlé. Non mais attendez, c'est quoi ce bordel? C'est quoi cet immeuble de... Il manque l'interrupteur. Il pourrait se trouver à quelques pas, cherchons-le. Mais attendez, c'est pas normal. C'est quoi ces murs? On est dans Silent Hill? Celui d'avant, le distributeur, était tombé? C'est quoi qui était tombé? Pas de soucis, Loïc, t'inquiète, y'a aucun problème. Pas pour le moment. On verra si je vous en parlerai de toute façon, hein, c'est ça. Par contre... What the fuck, y'a les bandeaux de police de sécurité. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il y a une poupée de ventriloque. Vous la voyez? C'est une poupée de ventriloque. Oh mon dieu, pas la poupée de ventriloque. Non mais c'est pas une pose. C'est une poupée de ventriloque, c'est pas une personne. Ah! Bah voilà, Fouine, ça cherche depuis ce soir à me faire décoller. Elle a réussi à bien me jumpscare là. Tu veux être mon ami? Tu veux jouer avec moi? Au secours, la poupée de ventriloque de l'enfer, quoi. Oh, 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 oh. Oh putain, j'ai besoin de vous. Les amis, qu'est-ce qu'on fait? On grimpe ou on laisse faire? On fait quoi? Pour l'instant, on laisse faire? On finit d'explorer, non? D'abord, on laisse faire? J'ai le choix entre les deux. Pour moi, on grimpera après. Pour moi, il vaut mieux fouiller avant. Vaut mieux fouiller avant? Vous voulez tous que je grimpe? Vous avez tous envie que je meure? On fouille avant, non?
Mais on va grimper, les amis. Vous voulez pas que je fouille avant? Ça spam grimper sur Twitch. Sur TikTok, il y a un peu plus de laisse-faire. Oh là là, sur Twitch, ils veulent tous que je grimpe. Sur TikTok, ils veulent un peu plus. C'est un peu plus partagé, mais alors... D'abord, fouille. Pour moi, d'abord, on va regarder, les amis. Attendez. On va regarder un petit peu. Merci Shooting Star pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. Attendez. Parce qu'il y a la poupée ventriloque. On va grimper dans tous les cas. En fait, l'immeuble change de plus en plus. Merci Shinigami pour le follow sur Twitch. Bienvenue dans la commu. C'est vraiment des enfoirés, hein. Ils ont même pas besoin de faire de jumpscare. Juste les enfoirés, ils l'ont mis ici. En mode, tu te retournes, tu tombes face à face, quoi. C'est quoi cette horreur? Ne vous inquiétez pas, c'est le... Oh, ah bah voilà. 105, c'est le rythme cardiaque qui dépasse les 100, hein, l'alarme. Oh, il m'a tellement fait peur, ce con. Comme quoi, il n'y a pas besoin de jumpscare de malade, hein, pour faire monter le rythme cardiaque, hein. Parce qu'au moment donné, le cœur, il s'habitue. Mais les situations de stress comme ça... Là, il n'y a rien. Salut Jonjon, coucou les nouveaux arrivants. Et là, on peut grimper aussi. Là, on peut aussi. Ok, on peut grimper. Ah putain, les amis, on peut grimper à plusieurs endroits. Oh non, on va se balader là. Je sens qu'on va se balader sur le toit, ils vont nous courir après, c'est sûr. Je suis sûr qu'on va grimper là. Et là, sous le toit, on va se faufiler, et je suis sûr qu'ils vont nous courir après. Comme dans le film d'horreur The Visit, là, avec la grand-mère. Je sais pas si quelqu'un a la traduction pour ça. Vous savez ce que c'est dit? T'étais sur TikTok, mais t'es venu ici pour me voir. Comment vas-tu? Bah merci beaucoup, Shinigami, bienvenue parmi nous, t'as bien fait. Soyez là où vous vous sentez le plus à l'aise. C'est quoi? C'est son nom? Ça veut dire quoi? Je sais pas si Yami, il est encore dans le coin. Poupée rétro? Merci beaucoup, Yamizuko. Poupée rétro. Attendez, on monte dans lequel? Les amis, on en a plusieurs. Alors, putain, il y a celle-là. Vous pensez qu'on peut grimper sur celle-là? Me dites pas qu'il me suit du regard. Vous avez entendu? C'est pas moi. C'était pas moi, les bruits de pas. Les bruits de pas, c'était pas moi, hein. Vous pensez que ça change quelque chose de monter à l'une d'entre elles ou pas? Ouais, j'ai vu Lucky Luke, ça va être Alan Wake 2. Je sais pas ce qu'on fait. Vous savez quoi? On fait le premier. On a examiné, vous avez demandé en masse, vous étiez plus nombreux sur Twitch à vouloir que je grimpe. On va grimper à la première échelle qu'on a vue, on va voir ce qui se passe. Les yeux, oui? Non, il suit pas trop celui-là du regard. Non, c'était pour moi, c'était des bruits de pas comme si quelqu'un courait. Comme tout à l'heure, il y a quelqu'un qui courait, vous savez, dans le sang, on l'a entendu. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaie de courir vers moi, mais sur des trucs en métal. Oh mon dieu, on va avoir un truc horrible, nous foncer dessus à un moment donné. Ah putain, mais en fait, on peut pas se déplacer, c'est juste pour voir ce qu'il y a. C'est quoi, ça? Ah, c'est l'interrupteur? C'est le bouton d'interrupteur qui nous manquait. On fait les autres ou pas? Salut Matt, salut les nouveaux arrivants. On fait les autres échelles? Pour vérifier? Ouais. Non, en vrai, on a le bouton. Pour moi, on a le bouton, c'est bon, hein. Je sens que ça va encore être épique. On garde celui-là en dernier, ok? Celui-là, celui-là, on le fait en dernier. C'est le pire, celui où je veux moins aller. Salut Pantera, coucou tout le monde. On est gardien de nuit, les amis.
Putain, mais il y a combien de boutons à récupérer? Il me suit du regard? Attendez, on va voir. Vous allez me dire si, selon vous, il suit du regard ou pas, poupée rétro, là. J'ai l'impression qu'il me voit de loin, là. Oh mon dieu! Il suit du regard, vous avez raison! Regardez, regardez la pupille, elle est grave à droite. Attendez, la pupille, elle a grave bougé, on est d'accord? Regardez comme elle est à droite, elle est en mode... Il suit du regard. Quel enfer! Quel enfer! Je pensais pas qu'il nous suivait du regard. Oh putain. Ouais, ouais, j'avais pas vu, Justine, vous avez raison. Très belle imitation, ouais, je sais, pareil. Alors, je crois que sur TikTok, vous voyez pas parce que c'est zoomé, mais il y a un truc sur la gauche. Salut Tagada, coucou tout le monde. Mais j'ai arrêté de tourner la caméra parce qu'il y a un truc sur la gauche, je veux pas y aller. Il a cligné des yeux? J'ai cru que... Il a cligné... Attendez les amis, sur Twitch, il a cligné des yeux ou pas? Sur TikTok, on m'a dit, il a cligné des yeux. Moi, j'ai l'impression de voir des larmes. Parce qu'il y a ça juste ici. C'est vrai? Iz, il a cligné des yeux? T'as cru aussi, Crappy Craps? Ça va, Crappy? Non, on va aller voir. De toute façon, il nous reste lui comme échelle à faire. Hein. C'est la dernière échelle. Mais non, il cligne pas des yeux. Salut Minuto. Mais il cligne pas des yeux. Non, non. C'est déjà assez angoissant comme ça, me dites pas qu'il cligne des yeux. Si? Mais non, il cligne pas des yeux, les amis, hein. Oh mon dieu, il a tourné la tête vers moi. Au secours, quoi. Qu'on se barre vite de cet étage de l'enfer, là. On a tout fini, il fallait pas checker des alarmes. Viens jouer avec moi. On a peut-être tout fini. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je sais pas si vous voyez, j'ai la chair de poule encore. Oh mon dieu, j'ai le poil qui se hérisse là. Aïe. Je bloque mon micro en plus. Au revoir. Vous allez pas me manquer, hein. Au revoir. 8e étage. Ah, oh la vache. Salut Choui, comment ça va? Oh la vache. Oh putain, l'angoisse. Qui c'est qui a crié aussi, les amis? T'as sursauté, fait clochette? T'as flippé, Pierre? T'as sursauté, Coco? Qui c'est qui a crié sur TikTok aussi, des Z? Malinor?
Au revoir les pantins. Attendez, quelle merde va nous arriver maintenant. Oh non, c'est quoi ça? Ah non, c'est une poubelle. Putain, je suis fou. Je suis fou, je suis en mode psychose, je vous jure. Regardez la poubelle. J'ai cru que la poubelle, c'était deux yeux et que c'était de loin. J'ai cru que c'était une marionnette et que c'était deux yeux et une bouche. Je suis tellement en mode... Merci Choui, merci beaucoup les 6 mois Choui, t'as gagné un fantôme, t'as un gros fantôme devant ton pseudo, merci beaucoup Choui pour ton, tout ton support, j'espère que tu vas bien. Ouais, ils sont partis mais à mon avis il y a d'autres saloperies qui vont arriver, hein. Plus on monte plus c'est la merde, hein, j'ai l'impression. Il nous reste 4 étages je crois, enfin peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, au moins j'en sais rien. Salut Gaga, coucou les nouveaux arrivants. Il y a quelqu'un qui m'offre à boire, c'est trop sympa, une bière en plus on dirait. On va à droite ou à gauche? Merci Aizun pour le follow sur Twitch. Bienvenue dans la commu. Comment ça va? Bonne nuit Emeline, merci d'arrêter là. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Coucou à ceux qui arrivent. Moi j'irais plutôt à droite. J'ai l'impression que le bruit venait de là-bas. On va de l'endroit où ils nous ont jeté la canette, non? C'est mieux? Bah je sais pas si les caméras sont toujours au même endroit. Je pense qu'on va aller de là où vient la canette. Messieurs, dames, dans quelques instants, le grand spectacle de la souffrance. Ou alors, peut-être, vous savez ce qu'ils vont faire avec l'escalier? Si ça se trouve, l'escalier, on va le prendre à la fin. Vous avez tous tapé les toc-toc. Si ça se trouve, cet escalier, il est bloqué pendant tout le long, et quand on va être au dernier étage, il va y avoir un truc, et en fait, pour fuir ce truc, il va falloir prendre l'escalier de secours, et ça va être l'enfer. Ah, attendez, je vois plus vos messages sur TikTok, voilà. C'est vrai? Ah si, moi, 10 000 euros, je le fais quand même, hein, 10 000 euros. À part s'il y a la bonne femme qui nous regarde comme tout à l'heure, celle qui faisait le ménage, elle était flippante. Hein. Je sais pas comment vous dire, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Par contre, on est d'accord, il n'y a plus personne maintenant dans les locaux. Hein. Je sens que ça va encore être épique. Vous trouvez pas que c'est un peu trop calme cet étage? Ici, on récolte la moitié du sel français. La larme, on l'a fait, hein. Mais je trouve ça bizarre que ce soit aussi simple. On s'est pris 2-3 étages de l'enfer. Ouais, je mettrai un cooldown sur les toc-toc, vous inquiétez pas. Je vous remettrai bientôt des nouveaux sons sur Twitch. Je l'ai vérifié, non? Je l'ai pas vérifié, l'alarme? Ah, peut-être pas celle-là, il y en avait deux. Bonnerie de gauche, je crois que vous avez raison. Ça doit rien vous dire, c'est machin. Selon comment on est tourné, ça change tout. Je l'ai pas faite, celle-là, bien vu. On va verrouiller ces portes tant qu'on y est. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une image, un étage un peu chelou, à part la canette qui arrive toute seule. Sur les cams, il n'y avait que de 1 à 6, Canel, t'as raison. Le truc, c'est que je peux pas redescendre dans les étages d'avant pour voir s'il y a des caméras qui sont ajoutées. Je crois pas que je puisse. C'est de la merde. Merci pour tous les gifts, les amis, au TikTok aussi. Moi aussi, j'espère que c'est bien payé, Maureen, parce que je pense que la prime de risque, elle doit être assez élevée ici. Ça a pas fait le ding-ding, on a oublié un truc. Il y a pas eu le ding-ding, on a oublié un truc. C'est quoi qu'on a oublié? On a oublié un truc. Ah, la lumière dans les toilettes! C'est pas ma faute si je n'ai rien pu faire. Vous pensez que c'est la fille bizarre de tout à l'heure qui était en rouge? Parce qu'ils sont morts. Tout le monde a disparu à cause d'eux. Je n'ai rien fait de mal. Tout est de leur faute.
Il y avait un truc, j'ai l'impression qu'on pouvait prendre un... Il y avait une icône comme quoi on pouvait ramasser un truc. C'est celle avec les yeux ? Il y a quelqu'un derrière, on entend trois petits points. Merci Dani pour le gift. Merci pour les gifts, les amis TikTok. C'est quoi ce bruit ? C'était quoi ce bruit ? Ça venait vers l'entrée de l'ascenseur. Vous avez entendu le boom ? Elle s'est tuée ? Des toilettes ? On est au 9ème. Il y en a 11 d'affichés d'étages. Est-ce qu'il y en aura d'autres qui vont apparaître? Je sais pas. Merci Quick pour follow sur Twitch. Bienvenue dans la commu. Même si moi je suis plus McDo que Quick, mais... Oh putain, on retombe sur un... sur un étage pourri. Regardez l'état des murs. C'est pas normal ça. Vous avez entendu? Le mec il faisait... Oh. Bien tenté Danny. Vous avez entendu le bruit? Il y a eu le bruit à la The Grudge. On a entendu hein? Oh. Et il y a une chaise... Y a... Oh my god, j'ai l'impression que ça vient de la gauche. Oh mon dieu, regardez... Non mais regardez-moi ça, putain mais j'ai encore les poils qui se hérissent, qui sont droits quoi. Merci pour les gifs. Bien tenté les jumpscares sur TikTok. Attendez, comment on va faire? À droite, il y a peut-être le truc de sécurité avec les caméras, non? Attendez, on va aller à droite. Parce qu'avec un peu de chance, il y a une salle de sécurité avec les caméras sur... Putain, il y a pas de surveillance, fait chier. On fait les toilettes? On fait les toilettes ou les grandes salles? Vous préférez quoi, les amis? Grande salle ou toilette? Les toilettes, c'est à gauche. Mon dieu. Ou les grandes salles à droite. Moi je ferai les toilettes d'abord, non? Toilettes sur TikTok, vous êtes un peu plus toilettes. Ophélie toilette, une chef toilette, JK toilette, Maeva toilette. Sur Twitch, Maxi grande salle, Pierre grande salle, Lunar grande salle, Crappy grande salle, Natacha toilette, Lilou et Diesel, Christy toilette. C'est serré hein. Sur Twitch, vous êtes un peu 50-50. Sur TikTok, ils sont plus toilettes. Je pense qu'on va faire toilettes. Après c'est surtout que sur... Vous êtes sadique parce que le mec je pense qu'il est dans les toilettes là. Monsieur moi aussi ça m'arrive d'avoir du mal mais Bonne nuit des bisous Lunacia, merci beaucoup d'arrêter là. Oui oubliez pas, demain les après-midi, demain après-midi sur YouTube comme d'hab à 14h point d'exclamation YT. J'en profite vu qu'il y en a qui vont dodo plus tôt. Merci Adair. Je sais pas, ça allait, on dirait un mec un peu en mode The Grudge qui... Ça,
Ça bouge dans la salle. J'ai vu un siège qui bougeait tout à l'heure. Messieurs, dames, dans quelques instants, le grand spectacle de la souffrance. J'ai l'impression qu'il est là. Qu'est-ce qu'il faisait ? Ouais ? Merde, je me suis endormi. Il est déjà si tard. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu reviens encore et encore. Tu es toujours là à chaque fois que je me réveille. Tu étais là pendant tout ce temps ? Peu importe, sais-tu où se trouve mon patron ? Est-il déjà parti ? Ce maudit harceleur de pouvoir a dit qu'il ne quitterait pas avant que tous les autres partiraient. Je m'en vais aussi. Je crois que c'est lui qui fait ces bruits-là, mais qu'est-ce que c'est que ce taré ? Qu'est-ce qu'il fout là ? C'était lui ? Je suis pas sûr, hein. Les bruits continuent. Ce qui me fait rire quand même, c'est que depuis le début du jeu, les amis, à chaque fois qu'on check les alarmes, ça dit que tout est normal. Salut Nini. À chaque fois, ça met pas d'anormalité. Genre, c'est normal, la bonne femme qui nettoyait du sang tout à l'heure, c'est normal. Par contre, on a encore les bruits, je suis pas sûr que c'était lui, hein. Il y a peut-être des rollers, même, hein. Ça vient de là. J'ai l'impression que ça vient de là, le bruit. Chasse c'est Beyblade. J'aime bien parce qu'il dit tout est normal. Il y a des yeux rouges, c'est vrai Mathis, où il y a des yeux rouges? C'est vrai parce qu'il y avait, il y avait la bonne femme aux yeux rouges qu'on a vu au début. Vous avez vu des yeux rouges ou pas les amis? Bonne nuit Morgane, bonne nuit ceux qui vont se coucher. Coucou ceux qui arrivent et bonne nuit à ceux qui se couchent. Oh putain, Fouine, tu m'as fait peur encore. Lunar, il est en job de sécurité de nuit. T'y es là, t'es à ton job ou pas Lunar en ce moment? S'il y en a qui sont gardiens de nuit actuellement qui nous regardent, franchement, courage, on est avec vous. On n'a pas fini l'étage, ça a pas fait le ding ding ding. On a oublié un truc? On a oublié de faire un truc sur cet étage. Oh t'inquiète Mathis, moi aussi je suis parano, à force je vois des trucs. Et c'est quoi ce couloir? Ça veut dire quoi? Il y en a qui savent ce que ça veut dire? Ah mais moi aussi je le sens pas. Hein. Vous arrêtez pas de me dire que je le sentais pas, mais je suis d'accord, je le sens pas non plus. Ça veut dire jumpscare? Ça veut dire appuyer pour un jumpscare gratuit. Chocolatine, ouais c'est ça, dada. Tu vas mourir, Salem. Point d'exclamation game sur TikTok et Twitch, vous avez le nom du jeu.
Putain, faut les retrouver, il y en a plusieurs. Mais attendez, il y a des couloirs qui n'existaient pas, qui sont créés. Je suis quasiment sûr que là, c'était fermé. On est d'accord ? Conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. On est arrivé d'ici. Tourné, ça change tout. Il y avait pas d'endroit, ça. Là, ça va peut-être s'ouvrir. Une clé de sortie de secours. Visage blanc, vous l'avez vu ou pas? Vous l'avez vu ou pas? C'était quoi ça? C'est celle de tout à l'heure. C'est celle de tout à l'heure. Je me suis du regard aussi. Comment je fais? Je pense qu'elle est gentille, les amis. Je pense qu'elle est gentille. Non, je pense qu'elle est gentille. Je pense que c'est elle qu'on entendait dans les chiottes. Tout à l'heure, il y a une femme qui pleurait dans les chiottes et qui disait c'est pas de ma faute, etc. Je pense qu'il y a eu un truc. Genre, il y a eu un psychopathe qui a tué tout le monde. Et je pense que ça, c'est un fantôme errant. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'elle est pas méchante. Elle fait flipper. Mais je sens que c'est pas elle qui est méchante. Sinon, elle m'aurait tué, ouais. Peut-être que je me plante, hein, sur l'histoire. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Vous allez voir qu'elle va me tuer à la fin. Ça fait longtemps, Coco, que j'avais pas dit que peut-être elle était gentille. Je me méfie plus. Je pense que c'est celle qui était habillée en rouge tout à l'heure. Vous savez, celle qu'on a vue avec la photocopieuse. Ah, mais les amis, je pense qu'elle, c'est un fantôme. Et vous savez, elle a imprimé d'elle-même la photocopieuse, elle l'a activée. Pour nous montrer le visage de celle dont il faut se méfier. Ah putain, vous avez raison, la sortie de secours. Parce que, comme par hasard, ça a imprimé la tête de l'autre psychopathe tout à l'heure. Là, on est bien bloqué. Du coup, on est à l'étage combien? 10 ou 11? 10, c'est ça? Il est mort de rire, maman. 10? Il y en avait 11 sur l'ascenseur. Putain, puis j'ai pas de lumière, quoi. Pas d'anormalité. Bah, vous lisez comme moi, les amis. Pas d'anormalité. Tout est normal. Tout est normal. Après, c'est pas d'anormalité sur l'alarme, en fait, et pas sur la pièce. Mais du coup, c'est trop drôle de le voir dire ça en mode tout est normal. J'avoue, c'est l'upside down de Stranger Things. Je pense qu'on va pouvoir reprendre l'ascenseur après. Alors attendez, faut qu'on verrouille. J'ai l'impression qu'on voit de moins en moins, non? Ah! Ah putain, mais c'est un mur! Mais je suis con, quoi! C'est un rebord de mur! Pff, mais en fait, regardez, là c'est noir, on le voit pas.
Et en fait, quand on avance, il apparaît d'un coup. J'ai cru que c'était quelqu'un qui était dans l'angle. Je me suis fait peur tout seul, putain. Je suis pas du tout en état de stress déjà, tout va bien. Ah là, il y a du monde pour clip ça. Et là, ça met à côté. Ok, on ferme ça. Je vous ai fait peur aussi. Qui c'est qui a eu peur du coup comme moi du mur? Qui c'est qui a eu peur du pur, du mur, peur du mur? Oh là là, la dyslexie. Merci Laurine pour les gifs, bien tenté. Natacha, Christian, Crappy, Luna, Noémie, Maxi. Toi aussi Coco, tu me comprends? Jennifer, Justine, sur TikTok aussi Nini. DZ. T'as les chats, ils sont pas normaux, pas comme d'hab. Merci Camille pour le follow sur Twitch, bienvenue dans la commu. Mais les chiottes, ils sont en bois. C'est quoi ce bordel? Je crois qu'on va pouvoir reprendre l'ascenseur. Hein. L'ascenseur remarche comme par hasard. L'étage 11. De mon cri surtout. Merci Salah, merci beaucoup pour ton message. Ici, on récolte. Attends, on va pas du tout au 11ème là. On va pas du tout au 11ème. Lui, il est bon, hein. On descend en enfer. Je vous avais dit qu'il y allait avoir des étages cachés, mon connerie. What the fuck, regardez les traces de mains. Bah allons visiter les sous-sols. Hein. Merci à Cindy et à Maxime pour le follow sur Twitch. Bienvenue dans la commune. Et merci Salem. Gros cœur sur toi, Salem. Merci beaucoup pour ton message. Étage moins 666, là, c'est un peu ça. Ouais, merci. N'hésitez pas à envoyer des cœurs à Salem. On dirait qu'il y a une télé. On dirait pas qu'il y a. Et c'est dames, pas la bonne femme du ménage. Il y a quelqu'un qui est allongé. Pour moi, il y a quelqu'un qui est allongé. Il y a une télé dessus. C'est quoi pour vous? Non, c'est pas ça. C'est l'ancien gardien de nuit. En vrai, le gardien de nuit, il a disparu. On l'a pas recroisé. Ah non, c'est une pierre. Putain. Vous avez vu qui c'est ou pas? Vous l'avez reconnue, c'est toujours la même. C'est la bonne femme de l'imprimante. Qu'on a croisée, qui était derrière nous tout à l'heure et qui nous a jumpscare, là. Oh, attendez. Je rêve ou c'est les couloirs où on est? Je crois que ça filme les couloirs où on est. Elle était là? Elle était là? Je crois que c'est ses couloirs. Franchement, je crois que c'est ses couloirs, hein, regardez. Je pense que c'est elle qui est là, qui a fait marche arrière. Hein. Le rythme cardiaque, il arrête pas de faire Je vais mourir avant la fin. Je l'avais dit, hein, je sais plus qui disait tout à l'heure que c'était calme. Les jeux de Chillaz Art, ils sont tout le temps calmes au début et ça monte crescendo.
Les néons, ils ont changé de couleur, c'est devenu des néons rouges, vous avez vu? Oula, on n'est pas encore sorti. Hein. Bienvenue en enfer, ouais, c'est un peu ça. Bien tenté, Fouin. Merci encore une fois de plus pour tous vos gifs, les amis TikTok. What the fuck? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Santé, Maxi. Le fond de la, du verre. Je vous dis que c'est en lien avec la fille qui est en rouge. Dans la télé, c'était la fille habillée en rouge avec le col. C'est obligé. Et avant, on a vu l'autre, c'est la victime. Je pense que c'est une fille innocente qui est une victime d'elle. On va commencer par les toilettes. Pour moi, il y a eu un massacre dans cet immeuble. C'est la fille qu'on a croisée en rouge qui a fait le massacre. Messieurs, dames, dans quelques instants, le grand spectacle de la souffrance. What? Pas de câble. Ok, il faut qu'on trouve le câble, les amis. Je pense qu'ils ont un message à nous donner. Ok, il faut qu'on trouve le code. Alors, si le code, il est sur les tableaux, ça va être compliqué, vu l'état des tableaux. C'est une horloge ? Obtenu un couvercle taché de sang. Je pense pouvoir nettoyer cette tache. Quoi ? Faut qu'on trouve un truc pour nettoyer ? Mais c'est déjà propre là, non ? On aura continué de fouiller l'étage. Je pense, mais en fait c'est mal traduit parce que du coup ça disait je pense pouvoir nettoyer. En fait on l'a déjà nettoyé. 0, 3, 6, 9, c'est les heures, je sais pas si c'est lié au code. J'ai l'impression qu'il faut mettre les aiguilles ou... Je fais quoi avec 0, 3, 6, 9 moi? En fait, j'ai que deux trucs, du coup, je sais pas trop. Bah ouais, j'ai l'impression. Je pense qu'il nous manque un truc. Ça, on l'a validé. Je peux pas frotter sur les tableaux. Pas l'impression que ce soit les tableaux. Oh. C'est le câble. Ça va nous donner le code quand on va regarder la télé. Moi je vous dis c'est la femme en rouge. Je vous dis c'est la femme en rouge. Elle a tué les gens. Lui c'est une victime de la femme en rouge, c'est sûr. C'est l'ancien gardien, mais oui Nelly. C'est l'ancien gardien les amis, regardez. C'est ça, regardez comme il est habillé. C'est l'ancien gardien. Ouais, j'oublie mes amants dans le placard, c'est ça. Bon bah ça va être nous bientôt. Voilà, on vous laisse tranquille monsieur, on vous range, voilà. Rien n'apparaît. Pour moi, ici, ça va afficher le code. Donc je pense qu'il faut trouver une cassette à insérer dans le magnéto. Ah, il y avait un truc dans les toilettes? Attendez, on va refouiller les toilettes, ouais. Vous savez ce que c'est cette tête? Vous savez ce que c'est ou pas? J'ai déjà vu dans des films. Vous savez ce que c'est quand on meurt comme ça? En 1-2. Ça veut dire qu'il est mort de peur.
Normalement, ça, c'est quand tu meurs de peur, t'as cette tête-là, normalement. Quand tu meurs de peur. C'est dans The Ring, donc c'est comme ça? C'est dans The Ring, ouais. Non, c'est mourir de peur, ouais. Ah, putain, bien vu, j'avais pas vu. Ouais, ouais, vous avez raison. J'ai lavé le sang du couvercle. Il y a deux lignes tracées dessus. Super, c'est le code. On le remet. Ça va nous indiquer le code du coffre. C'est dans The Ring qu'il meurt comme ça en mode. Ah, ils ont un peu la tête tordue en mode. C'est horrible, la tête qu'ils ont. C'est Joséphine, ça va? Salut tout le monde. Coucou les nouveaux arrivants. Zéro, zéro, zéro. What the fuck? Ah, 90-60. Ok, 90-60, c'est le code. Ou 60-90. Je commencerai bien par l'aiguille des heures. Ah bah c'est pas ça. 60-90? Parfait. Je vous parie tout ce que vous voulez qu'on va voir la femme en rouge. On dirait la salle électrique, mais je suis pas sûr. Ah putain, Finch m'a fait peur. Il y a quelqu'un qui est rentré dans la pièce pendant qu'on regarde la télé, je crois. Putain, on voit rien, on voit que dalle. On voit un trait blanc au milieu de l'écran, je sais pas ce que c'est. Il y a une scène de crime. Ça, on l'a vu, je sais plus à quel étage c'était. Putain, c'est la femme en rouge. C'est Heist. Je t'aime. Je ne peux plus rester ici, sans blague. Sortons d'ici. Il a attendu. Oh mon dieu, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien, c'est l'enfer. Le casier a disparu. Le casier... Attends, c'est le casier où il y a l'ancien gardien, les amis. C'est pas le corps qui a disparu. C'est pas le corps qui a disparu. Le casier entier avec l'ancien gardien a disparu. Sortir. On peut plus sortir. Ah.
Putain, vous m'avez fait peur. Avec ça, Salem, tu m'as fait peur avec le bruit de Mario. Putain, on est coincé. Vous m'avez fait peur sur TikTok aussi, s'y mettre. Ah, attendez, on n'a pas fait celle-là. Oh, c'était la mauvaise fin. Ok, faut pas faire ça, je ne peux plus rester ici, sortant d'ici. Ok, faut pas faire ça. Putain, faut faire quoi? C'était pas la bonne fin, apparemment. Par contre, c'était celle où je pensais qu'elle était gentille. Hein. Apparemment, elle est pas gentille. Ah, en fait, je pense que la fille en rouge et elle, en fait, c'est celle qui avait les yeux rouges. Je pense que c'est la même personne, en fait, juste qu'elle prend une apparence humaine de temps en temps. Tu viens juste d'arriver, Tiny Tart. Ah bah oui, t'es arrivé pile au moment où on se prend le... Je crois qu'on est vers la fin du jeu, les amis. Il faut juste qu'on trouve comment sortir d'ici vivant. Il y aura un moyen. Tontelle a volé, Salem. En plus, vu qu'ils nous ont bien fait bloquer les deux autres, je me suis dit, bah c'est bon, c'est sûr, c'est celle-là. Putain, mais on peut pas l'ouvrir, comment on va faire? Je peux pas regarder en coffre? Eh, mais je vais crever si j'ouvre. Ah, mais putain, je suis obligé, ok, faut qu'elle... Oh, avance, putain. Faut toujours penser à fermer les portes. Ah, je suis mort. Je crois qu'il y a plusieurs fins. Ça se trouve, j'ai eu la fin la plus pourrie, non? Je suis mort, regardez la tache de sang. Je suis mort. Je me demande s'il y a plusieurs fins. Je crois qu'il y a plusieurs fins, les amis. Et je pense pas qu'il y ait de save. Il y a plusieurs fins abyssales. J'ai eu la fin la plus pourrie, non? Comme d'hab, j'ai toujours la fin la plus pourrie dans leur jeu. À chaque fois, vous savez pourquoi? Parce que j'ai le réflexe, faut courir, faut sortir d'ici. Bah, je vais relancer, mais je crois pas qu'on ait d'autres fins, les amis. Hein. Vous voulez qu'on vérifie s'il y a d'autres fins? Je crois que ça remet au début du jeu, je suis pas sûr. Hein. Attendez, ça fait rebombiner en arrière. What? Si la clé de secours, on l'a utilisée à un moment donné, Sarah. Le 22 octobre, c'est la veille? On est le 23 octobre, non? C'est la veille, là, c'est le gardien d'avant. Quelle heure il est? On a peut-être le... Oh, on a le temps, ouais, si jamais il y a une save. Ending 1, on a lu la première fin, c'est marqué derrière moi, c'était marqué Ending 1. On peut. Allez, on essaye de débloquer une autre fin. En plus, on sait ce qu'il faut faire, ça va vite. Du coup, moi j'ai foncé ici, donc on fait pas ça. On prend l'ascenseur. Il y a soit cette porte là, mais je pense pas. J'ai pas regardé, putain c'est l'ascenseur les amis. Pour moi le plus intéressant ce serait de prendre l'ascenseur, parce qu'il fait partie du jeu depuis le début. On fait ça? Il est bloqué l'ascenseur? Ouais, peut-être qu'il va être débloqué hein. Moi je tenterais bien cette porte hein. Qui est en plus bloqué, on va faire ça. Ah, peut-être que je peux verrouiller, j'ai pas essayé, c'est pas bête. Faudra essayer de verrouiller aussi. C'est un mauvais plan l'ascenseur? Bah ouais, mais de toute façon, il faut bien redescendre. Ah mais non, faut qu'on remonte parce qu'on est arrivé au moins 72.
chaque fois j'ai la mauvaise fin, je vous jure. Ok, c'est le même code, 6090. Ah oui, il y a notre pote. Ce qui est bizarre, c'est que le casier disparaît, quoi. Bonne nuit, Maxi. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. On va pas tarder. On essaye au moins une autre fin, les amis. J'ai déjà oublié le programme de demain soir, hein, je vous le dis. Je sais plus ce qu'on fait demain soir, les amis. Je crois qu'on va faire du jeu des 7 différences paranormales. Et je sais plus ce que j'ai prévu en seconde partie. En tout cas, demain après-midi sur YouTube à 14h, les amis. Donc ça, on sait qu'il... On va pas avoir grand-chose. Merci pour les gifts. Merci Dark Zombie et Caprice aussi, et Vanessa. Salut Célinial, ça va et toi? Bonne nuit Maxi Esh, merci d'être passé. Oh, merci la petite raclette. On fera du jeu en mode Paranormal Activity en première partie soirée, deuxième partie, je sais plus ce que j'ai prévu. Peut-être une surprise avec de la chance. Ouais, mais ça a peut-être changé du coup, Adair. Ok. Ah, j'avais noté ça. Un jeu sur les backrooms, alors peut-être un jeu sur les backrooms demain. Bah, dans la vidéo, on voit pas trop ce qu'ils disent de faire. Après, ils nous montrent les toilettes, mais on regarde si on peut fermer la porte, si on peut pas, on court jusqu'à l'ascenseur, ok? De toute façon, je peux vous le dire, pour la veille d'Halloween, avec Zali, ça sera un jeu sur les backrooms, les amis. Avec reconnaissance du micro, etc. Là, regardez sur la droite, on dirait qu'il y a quelqu'un habillé tout en blanc, non, qui se tient. Je suis pas sûr, mais en tout cas, elle, c'est sûr, elle est là. Heist. It's time. Elle m'a fait hurler tout à l'heure. Allez! On peut pas fermer! Y'a pas la touche, ça marche pas. Oh putain, y'a plus la porte pour l'ascenseur et... Attendez, je sais pas. Attendez, comment on fait? C'est la merde. J'ai l'impression que c'est bouché pour l'ascenseur. C'est bouché pour l'ascenseur, non? Y'a plus la porte, ils ont mis une grille. On va dans les chiottes, on fait quoi? Comment on va faire? Ah, putain, mais on la voit pas. Mais oui, mais je cours vers où? Là? Attendez, y'a un truc là. Et? Oh mon dieu, y'a un code. Mais comment je fais? Ils sont tous barrés, y'a un code. Comment je suis censé savoir? Non, les escaliers, on les a pris, c'était la mauvaise fin. Bah non, les escaliers, c'est ce qu'on a fait juste avant, les amis. Non, c'est là, mais il y a un code. Faut qu'on trouve le code. Ah, vous rêvez, hein. Non. Non, on peut pas appuyer plusieurs fois sur la même touche. Je pense que c'est en rapport avec le dessin. Il y a quelqu'un qui me suit. Putain, ou sur les tableaux? Ah, je vois plus! Oh, ça
un cul-de-sac. Non, c'est bon. Ah putain, vous me faites peur. Je comprends rien vers où on va, je comprends rien ce qu'il faut faire. Il y a un code qui a l'air pas barré. 112 ? 1, 2, 3 soleil ? Non. Ah, attendez, il y a des codes qui sont barrés. Il y en a un qui est peut-être pas barré, on a peut-être pas vu. Faut qu'on regarde les codes. J'ai l'impression que le papier il cache un code, mais je peux pas enlever le papier. Je peux pas enlever le dessin, ouais. Mais sur le dessin, il y a rien. Il y a rien sur le dessin. Pas comprendre ce qu'il faut faire avec ce dessin. Date d'anniversaire de sa fille, c'était quoi? Le 23 quoi? C'était 23-10. C'est pas bête la date d'anniversaire de sa fille. 666. Je peux pas parce que 23-10 en plus, on n'a jamais deux fois le même chiffre. Putain, elle est là. Après, c'est japonais. Je crois que c'est comme en France, non? Le 23-10 ou 10-23. Putain de merde, c'est pas ça. Ça va être 10-23 alors peut-être. Non, c'est pour dire que c'est le couloir de sécurité. Peut-être les couleurs, ouais. Mais comment interpréter ça? C'est ça! Je pense que c'est ça! C'est l'anniversaire de sa fille, bien vu. Je sais plus qui a dit ça, mais c'est bien vu. Ah! Putain, elle était là devant moi. Eh ben je vais où maintenant? Ah, c'est ouvert la grille pour l'ascenseur, je pense. Je pense que c'est ouvert la grille pour l'ascenseur. Allez, ouvre-toi, putain d'ascenseur à la con. Allez, n'importe quelle touche, je m'en fous. On a peut-être une bonne fin. GG, je crois que vous êtes plusieurs à l'avoir dit. GG, on est sur un lit d'hôpital. Oh mon dieu, il y a la... Oh, j'ai cru que c'était la fille en rouge, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était la fille en rouge. Et là... Ending 2. Non, c'est pas elle, elle est derrière l'autre. C'est une autre.